homme de 20 ans tombé d'un seul coup dans le coma en se promenant dans la rue. On fait les caisses du sang, un yono, un scanner des genoux et on se dépêche. Il est tombé dans le coma après être passé sous l'échelle d'un plâtrier. C'est une forme sévère d'allergie au plâtre. Ce n'est pas une allergie au plâtre. Il est tombé dans le coma après avoir croisé un chat noir. C'est peut-être une allergie au poil de chat. Ce n'est pas une allergie au poil de chat. C'est une allergie à quoi, docteur Mousse? Ce n'est pas une allergie. Il n'a plus aucun réflexe. Vous avez raison, zéro réflexe. Docteur Mousse, enfin. Vous en profitez parce qu'il est dans le coma? Vous devez avoir honte. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher, c'était trop tentant. Bon, j'arrête. Docteur Mousse? Il est toujours dans le coma malgré les traitements anti-allergiques. Ce n'est pas une allergie. C'est quoi alors? Que fait-il comme métier? Il est comédien. Alors, enlevez-lui tout de suite sa tunique verte. Habillez-le en blanc, en bleu, ou alors n'importe quelle couleur que vous voulez, mais pas le vert. Ensuite, donnez-lui un café. Vite! Oh, miracle, il est sorti du coma. Quand il vous suit? C'est un homme très superstitieux. Il n'est allergique ni au plâtre, ni au poil de chat. Il est passé sous une échelle et a croisé un chat noir. C'est ce qui a provoqué son coma. Et pourquoi est-il resté dans le coma à l'hôpital? Vous l'avez habillé en vert. Il est comédien. Vous devez le savoir que les comédiens n'aiment pas le vert. C'est ce qui l'a empêché de sortir de son coma. Et le café? Le café, c'était juste pour être sympa.